est sur un banger là aussi, attends. Ok, alors là, perte très originale. 7 millions oh. Let's go. Les gars, on a des colliers à ouvrir. On n'en a pas qu'un peu. Bam, je vous remets un petit peu dans le contexte pour vous expliquer. Là, c'est le petit moment sponsorisé par We The New. Parce que je pense que vous avez vu les gars, j'avais fait un concours Insta avec We The New. Pour vous réexpliquer vite fait, We The New c'est quoi? En gros, c'est un site où tu peux commander des paires de chaussures. Si vous voulez commander des paires de chaussures, il y a We The New les gars, c'est carré. Et en gros, ils m'ont dit, mon petit Mich, fais-toi plaisir, fais une commande sur le site. Comme ça, on t'envoie les paires et t'ouvres le tout en live. C'est ce qu'ils ont fait les gars. D'ailleurs, ils m'ont même donné ça. Et ça, j'étais pas au courant, ça je l'avais pas demandé. Mais en fait, je pense que c'est des sapes With The New. Ah mais ouais, mais en fait c'est ça hein. C'est des sapes With The New frère. Petit sweat carré. Et du coup il y a le jogo avec. Oh c'est stylé ça sur la manche. Eh les gars, je peux vous dire qu'en vrai ils m'ont régalé hein. C'est carré. Petit jogo With The New aussi. Ok bah si mère. Ouvrons les premières paires. Attention, je sais pas c'est dans quel ordre. Si ça se trouve on va avoir direct un banger. Sachez que j'ai pris genre 2-3 bangers. Après j'ai pris des paires un petit peu de tout. Vous allez me dire ce que vous en pensez les gars. Si la première paire vous l'aimez bien ou pas. Attention. Ouf, on est sur une paire de Nike. Ok, boîte classique. Oh, il y a écrit merci. Merci. Bah, merci With The New, hein, frérot. Merci With The New, j'ai envie de te dire. Oh là là, petite paire de Nike. Ah, celle-là, je la kiffe. Ça, c'est un modèle. Je kiffe. Oh, trop bien. Trop bien. Carte d'authenticité. Ton produit a été soigneusement examiné du packaging aux matériaux et des étiquettes aux coutures afin de garantir son authenticité. Ça a été authentifié par Tony. Merci, Tony. Tony, il a authentifié ma paire. C'est un peu... je sais pas comment expliquer ce délire. Mais ce délire de paire, en fait, j'aime trop. C'est pas forcément une paire qui coûte cher ou quoi. Genre, c'est un modèle que Nike, ils font... Bon, ils font beaucoup quand même. Mais celle-là, je la kiffe. Le modèle je l'aime trop. Mais déjà je vais vous dire un truc. Peut-être que vous allez m'insulter, je ne sais pas. Je vais être très sincère. Je commence à avoir une grosse hype sur les ASICS. J'ai envie de m'acheter des ASICS. Les ASICS frère, je suis en train de kiffer. En vrai c'est une des paires je pense que vous allez me voir sûrement souvent avec. Mais j'ai envie de la mettre maintenant. En vrai elle va très bien avec mon t-shirt. Ok, du coup la petite paire de Nike, c'est pas un gros banger. Mais moi je kiffe. En vrai pour moi celle-là c'est un peu un banger. Vous la notez combien? Celle-là, je vais vous faire un petit peu mon classement aussi. Moi celle-là je mettrais un 8 sur 10. Ah je mets 8 sur 10. Moi j'aime bien. Prochaine paire. Oh, encore une paire de... Ah ça je pense je sais c'est quoi. On est encore sur une paire de Nike. Cette fois-ci la boîte avec le swoosh en noir. Vous êtes prêts ou pas? Ok, on sait toujours pas c'est quoi. On garde le suspense. Mec, on est sur TF1 ou quoi là? Pour garder le suspense. Ah, j'ai vu. On est sur un petit banger là. Normalement, elle devrait mettre tout le monde d'accord. Oh lolo. Celle-là, mec. Non, ça, c'est un banger. Ah, par contre, faut mettre les lacets. Cette paire, les gars, on va pas se mytho que c'est un banger. Elsa a la même paire. Attends, j'avoue, je sais pas si c'est la même. Je vais vérifier. Mais j'avoue qu'Elsa, elle a une paire comme ça. Mais je sais pas si c'est la même. Attention, les gars, est-ce que Elsa avait la même paire? Ah, mais ouais, c'est celle-là. Théma, je reconnais les lacets. Ah mais je suis mort. J'ai la même paire qu'Elsa en fait du coup. Mais j'avais pas fait gaffe. Mais gros on a vraiment les mêmes goûts hein. Bon en fait vous l'avez vu au pied d'Elsa. Mais maintenant vous allez la voir à mes pieds. Ouais celle-là frappe atomique. Celle-là c'est un banger. Prochaine paire. Oh attends mais j'ai jamais vu cette boîte. Ok alors là paire très originale. Je pense savoir c'est laquelle. Celle-là je sais pas si vous allez aimer. Ok la boîte j'ai jamais vu cette boîte frère. C'est un truc ça te met. Attends, j'ai utilisé le sopalin que j'ai utilisé tout à l'heure. Ah! En vrai, je peux pas lui en vouloir, les gars, c'est de ma faute. Je l'ai pas sorti, c'est de ma faute. Oh, ça chlingue. Bref, cette paire, je pense savoir c'est laquelle. Celle-là, je pense, j'en suis sûr, vous allez pas aimer. Moi, j'aime. Quand je l'ai vu, j'ai kiffé. Maintenant, est-ce que au pied, porté ou même en vrai, est-ce que je vais kiffer? Je sais pas. Ah mais non c'est celle-là. Pardon. Mais non pardon. Ok je pensais que c'était une autre. Ouais bah celle-là. Voilà celle-là. Authentifiée par Rafiden. Bah celle-là c'est un banger. Bah celle-là c'est un banger. Ça c'est une valeur sûre. Bah oui. Bon bah là j'ai pas pris. Là j'ai pas pris trop de risques. Les Dunklo mon frérot. Ah mais j'ai pas noté la Jordan d'avant. La Jordan d'avant je mets un... Je mets un 8 sur 10 aussi. J'avoue que celle-là c'est pas très original. C'est un petit peu ce qui lui fait un peu perdre son charme. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont. En fait moi les Dunklo je suis trop fan. Donc forcément les Dunklo.
Donc le noir et blanche, bah t'as vu, c'est un classique. Je mets un 7 sur 10. Mais après, en vrai, moi, les bangers, c'est pas mes paires préférées, hein. Comme je vous ai dit, la toute première paire là que j'ai eue, je sais même pas c'est lesquelles là, les Air Max, la toute première là. Et bah en vrai, c'est une paire que je surkiffe. Mais celle-là, je dis que c'est un banger dans le sens où c'est une paire qui convient un peu plus à tout le monde. Bah franchement, magnifique. Prochaine paire, mon frérot. Mec, j'aime trop, gros. J'aime trop, j'enchaîne les paires, mec. Mais en fait, je suis en train de faire un all my sneaker. Hein. T'imagines que là, j'ai 7 paires. Ouf. Celle-là, je sais. Fais quoi, on la garde pour après. Il faut voir un petit peu d'autres types de paires là. Oh, ça, je sais pas s'il y a tout le monde qui va kiffer. Une paire de New Balance. Forcément, frérot. En vrai, New Balance, ça revient fort, hein. Eh, les gars, dans le game de la sneaker, je vous jure que New Balance, ça revient fort. Je sais plus du tout c'est laquelle. Oh, la surprise. Ça garde la surprise. Authentifié par Darren. Merci, Darren. Oh, Oh, ok. Normalement, une paire comme ça, vous pouvez que kiffer. Vous pouvez que kiffer, en vrai. Ça peut être n'importe quel modèle. C'est du full white. Je ne regrette pas mon choix. Elles sont très, très belles. Tu vois, ça, c'est une paire que j'aurais jamais achetée. Parce que je pense qu'elle coûte 200... J'ai peur de dire des conneries, mais je pense qu'elle coûte 200 balles, tu vois, sur le site. Du coup, je me dis, une paire comme ça qui coûte 200 balles, bah, je préfère m'acheter des Air Force. Mais en vrai, j'aime bien. Moi je kiffe, mais ouais, je mettrais un... J'allais mettre un 5,5. Ça tombe bien, c'est les New Balance 550. Sa note lui va bien finalement. Donc juste pour ça, je mets un 6. Allez hop, petit 6. N'empêche, je note les paires que c'est moi qui a voulu commander. Hein. Sachez que c'est moi qui a dit à With The New. Ouais, vous pouvez m'envoyer cette paire. Mais je les note. Prochaine paire. Oh, au fait, attendez. Si jamais, il y a un lien dans la description. Comme ça, si vous voulez commander, vous pouvez vous faire plaisir. Là, je vous montre un petit peu ce que moi j'ai pris. Mais forcément, sur le site, il y a plein d'autres paires. On continue. J'avais oublié. On est sur un banger là aussi, attends. Yeezy 700, sachez que les Yeezy 700, c'est mon modèle préféré. Frérot, je me rappelais plus que j'avais pris les Yeezy 700. Ah, je sais c'est laquelle. Ah, c'est peut-être pas un banger. Non, c'est pas mon modèle préféré. C'est pas les 700 V2, c'est les 700 d'après. Parce que moi, c'est mes préférés, c'est les Yeezy 700 V2. Je sais pas si vous voyez c'est lesquelles. C'est celle que j'ai mis, que j'ai poncé. Mais là, j'ai pris un truc, encore une fois, que en temps normal, j'aurais jamais acheté. Authentifié par Quentin. Merci Quentin. Oh bordel. Ah ouais, elles sont... il faut aimer, hein. Aïe, je viens de me mettre un coup de shoot. Mais même pour porter, c'est trop dur à porter. Mais attends, mais c'est en mode wesh. La texture, en fait, je pensais pas. Mais la texture ici, on dirait un kawaii, on dirait une tente. Il faut aimer. Je suis parti sur un délire. Cette paire, tu la mets pas tous les jours. Mais bien portée, c'est un banger. Celle-là, je mets franchement très originale. Je mets... vas-y, je mets 7,5. Putain, je kiffe. J'avais oublié que j'avais pris ça. Je suis trop content. Mais déjà, vous voyez la boîte, hein. Mais déjà, rien que la boîte, tu sais que tu vas aimer. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, je sais pas si vous pouvez reconnaître là. With... oh, authentifié par Quentin encore. Mais non, Quentin il est authentifié. Mais Yeezy et les Jordan. Mec, c'est là gros. C'est une masterclass. Mais les Jordan 4, je suis devenu accro. Bah ouais, là c'est valeur sûre. Mais encore plus en vrai, hein. Mais et encore plus en vrai, hein. Non, celle-là c'est un banger, hein. Celle-là, moi je mets. Bah frère, celle-là. Bah je mets 9 sur 10, hein. De toutes les paires, c'est ma préf. Incroyable sur 10. Oh. C'est qui ça? C'est Inox? Oh là. 7 millions! Oh. Let's go! Oh, dans la bouche! Oh, la tête de Wam, j'ai trop bien misé! 7 millions! La tête de Wam! Ça se fait! 7 millions d'abonnés, ça se fait! Mec, t'es un crack! Mec, c'est toi le crack! Hein. Continue comme ça! Hein. Faut avoir 10 millions maintenant! Mec, 10 millions! Moi, je veux le trophée des 10 millions! Bah, ça fait plaisir! Simer! Simer BG! En vrai, c'est quand même le boss! Hein. Mais il s'est quand même fait chier à aller chercher le canon à confetti pour faire ça! Par contre, il a mis un peu le bordel sur mon sud! N'oubliez pas, les gars, petit pouce bleu, on s'abonne, c'est carré! Bref, du coup, pour en venir sur cette paire, ouais, je mets un petit 9 sur 10. C'est un banger comme pas possible, je les surkiffe! Et merci, With The New, quoi, j'ai envie de te dire! Là, on part sur un autre style. J'ai hâte de voir vos réactions. Parce que... ah mais c'est pas celle que je pensais. Ah mais j'ai pas pris de paire si chelou alors. Là je pensais, les gars, ça allait être quoi? Je pensais que j'avais pris une paire de Nike un peu ultra futuriste, un peu chelou, tu sais, avec des trucs partout et tout, avec plein de couleurs machin. Et en fait pas du tout. Mais en fait celle, bah je pense que... ah je sais c'est lesquelles. Du coup je pense que vous allez aimer. Voilà, vous avez remarqué, petite Cheesy 350. Si, elles sont stylées. Elles sont stylées. J'avais envie d'avoir un modèle comme ça. En vrai, elles sont d'art sa mère. Elles sont patates. Moi, je surkiffe. Ça, pour moi, c'est un banger. T'es malade. Mais, t'es malade.
Elle est un peu transparente, genre ça fait trop stylé. C'est un peu les nouvelles Yeezy 350 qui sortent en ce moment. Franchement, c'est un banger. Pour cette paire, je mets un 8,5. Je les mets un peu en dessous des Jordan. Même si c'est un putain de banger, je les kiffe. Franchement, il n'y a aucune paire que je regrette. Masterclass, et ben putain, je suis resapé en termes de paire. Franchement, merci With The New. Vous êtes... ça fait un vieux bruit de paix. Vous êtes les cracks ultimes. Lien dans la description si vous voulez commander. Voilà, voilà pour l'unboxing des paires.